on récupère ça? Ah ben non, on récupère pas ça. On a déjà assez d'armes, mais ça vaut une fortune. Voilà, merci. Donc ça, c'est fait. Maintenant, vous allez attaquer ceux-là. Le feu, ça brûle, messieurs, donc faites attention. Je suis prêt. Évidemment, j'ai fait une grossière erreur. J'ai fermé la porte au lieu d'attaquer le vilain pas beau. Voilà, ça c'est fait. On récupère tout ce qu'on peut encore une fois. Voilà. On a déjà tout ça, donc on peut les récupérer encore plus. Ça, c'est quoi ça? Non, ça c'est bon. On a déjà un arc. On a déjà plein d'arcs, c'est bon. Et on y va. C'est quoi ce cri? M'a fait peur. Logan ferait bien de charger dès que nous aurons allumé le signal. La vie du roi en dépend. Tout à fait. Mais t'as rien d'autre, mon sang. Ah, ça peut être utile pour Alistair, ça. Ça, on va... Non, on va plutôt jeter ça. L'épée de garde des ombres, c'est celle que t'avais, mais l'épée en acier, là, elle est meilleure. Donc on va te la mettre, voilà, c'est fait. Vous le sentez, ce petit couloir, vous? Parce que moi, pas du tout, hein. Ça promet d'être la merde, donc on va faire ça. Ce sera fait. Donc on va... Allez, venez par ici, voilà. Toi, tu vas te mettre là, pour enflammer tout ça. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant que t'as fait ça, tu vas pouvoir attaquer tout ce petit monde. Ah mais t'as plus de magie. Mais c'est peut-être encore de la magie. Ah mais il est stun. Quelle andouille. Donc ça c'est fait. On récupère tout ce qu'on peut. Oh mais... Inventaire plein, bon sang. Faites pas d'efforts, hein. Il faudra d'autres sacs, hein. Sinon on sera dans la merde. Combien d'argent? 8 pièces d'or que j'ai. Ça, évidemment, j'ai pas de place, hein. Et voilà. Quel enfer. Donc toi, tu vas réutiliser ta technique de cramage, hein. Voilà, merci. Oh, on l'a foiré, lui, zut, bon sang. Lui, on va utiliser ça. On va se mettre ici, voilà, on va cramer. Voilà, donc on va retourner avec Aidan. Ce levier-là, il libérera les siens. Quel levier? Attends. Ah, le levier-là. Bah attends, on va aller directement là-bas. Allez les chiens, aidez-nous. Aucune pitié ne sera accordée. Allez, on avance. Le moment est venu à sceller notre victoire. On fait du sang. Voilà, ça c'est fait. Ça par contre, j'aimerais bien l'avoir, mais... Donc ça en dégage. On récupère. Oh, c'est pas mal ça. Oh, mais punaise. Vous faites pas d'efforts, hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Bon. On récupère... Sur le genlock. Est-ce que les chiens nous suivent? Non, ils nous suivent pas. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Voilà, merci. Y a rien d'autre. On va augmenter de niveau. Volonté, ça je laisse comme ça. Constitution, on va laisser comme ça. Et on va se focaliser sur... ruse et dextérité. Voilà. En fait, on a attiré toutes les engeances qui étaient dans les autres pièces, si je comprends bien. Bon, c'est pas grave. Là, c'est des bons trucs hein, qu'on récupère, pour une fois. Mais grâce au mode, hein. Y a rien à faire, c'est le loot est plus équilibré comme ça. Alors, vous allez vous arrêter tout de suite, hein. Je vous demande de vous arrêter. Non mais oh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Des gants, ça peut être bien. Je pense qu'on est au dernier étage après cette porte. Donc, on va allumer le fanal tout de suite pour sauver le roi, tout simplement, parce qu'il est dans la merde. J'espère que le tien de Logain est prêt. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, bordel de merle. Oh, bordel de merle. Oh, c'est la grosse misère. Juste notre trou, c'est pas vrai. Oh, quel enfer. Quelle horrible créature, la vache, mais que c'est les noms de Dieu. Bon alors, comment on va procéder? Donc toi, tu vas attaquer, toi aussi. Hein. Je me demande même si tu vas pas plutôt prendre... Ça, tu as enlevé, mais tu vas plutôt mettre vous ça. Vous avez besoin d'aide? Voilà, attaque. Et ça. Voilà, toi, tu vas te positionner... Peut-être le paralyser. Voilà, voilà, on va essayer de faire ça. Oh, résistance. Où c'est la merde, ça? Le 3, alors. Tu vas mourir. Oh, le pauvre Alistair, il en prend plein la gueule. Oh, la vache. Lâche Alistair, bordel. Lâche-le. Nom de Dieu. Voilà, merci. Maintenant, soigne-toi. Vite fait, hein. S'il te plaît, merci. Je suis volontaire. Ça, j'aurais pu utiliser ça. Oh, la patate que j'ai reçue dans la gueule. Aïe, mais... Oh, attention le coup de pied. Prendre ça, hop. Toi, tu vas utiliser ça. Voilà, tu n'as plus de mana. C'est bien fâcheux. Récupère ça et tu vas utiliser ça. Ça, tu vas prendre, ok. Allez, c'est parti, on l'attaque. Tenez. Aucune pitié ne sera accordée. Voilà, ça dégage. Le fanal est là. Nous avons sans doute raté. Allumons-le. Ce sera fait. Oui, 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 t'inquiète, je m'en charge, mais... Allez, dépêchons-nous. On récupère ça. Je m'exécute. Oh mince, ouais on a ça, mais on récupère tout ça, évidemment, on peut pas tout récupérer, hein, n'est-ce pas, gna gna gna. Ça on va récupérer, et ça la bombe de psychopathe là, on va pas la prendre. Oh un codex, mais vous croyez vraiment que c'est le moment? Bon ça se met en pause heureusement. L'égide d'Avar, c'est le... Ben, c'est un codex sur le... Le bouclier qu'on a récupéré. Avard était l'ami le plus proche de Maferat. Oh, carrément. Ils avaient grandi ensemble dans le même clan Alvar, combattu ensemble en tant d'occasions que Maferat avait surnommé Avard Fier et Gide. Dit-il que le meilleur des boucliers. Quand Maferat a dû rencontrer les Tevintid, il demanda à Avard de l'accompagner. Il lui était impensable de faire face à ses ennemis sans son égide. Lorsqu'il comprit que Maferat comptait sacrifier Andraste, Avar, peu disposé à croiser les armes avec son ami et suzerain, se plaça entre Andraste et les soldats de Tevintid. Ces derniers le passèrent par le fer et Maferat le laissa pour mort. Ah la vache! Le pauvre. Mais Avar n'était pas un homme à périr si facilement. Grément blessé, il se traîna jusqu'aux portes de Minrati pour empêcher l'exécution. Mais c'était trop tard. Il ne trouva que les cendres de la prophétesse laissées aux quatre vents. Quand ses doigts effleurèrent les cendres, ses oreilles s'emplirent d'un chant et il vit lui apparaître Andraste, vêtue d'un habit d'étoile. Elle s'agenouilla à ses côtés et lui dit « Relève-toi, fier Égide. Le Créateur ne t'oubliera jamais tant que je te porterai en ma souvenance. » Les plaies d'Avar se refermèrent instantanément, sa force retrouvée. Il rassembla le reste d'Andraste et les rapporta en terre à la Marie. Franchement, c'est beau, mais il a vraiment dû être choqué que son meilleur ami trahisse comme ça la prophétesse Andraste, quoi. Donc, ça a dû être dur pour lui. On va équiper ce bouclier à Alistair, je pense. S'il est meilleur. Hein. Non, c'est plutôt ici. Ah ouais, d'accord, faut 22 en force. Bah, c'est déjà mort, hein. Laisse tomber. Bah du coup on va sauvegarder rapidement et on va aller vite sauver le roi. Sonnez la retraite. Mais, et le roi, ne devrions-nous pas... C'est un ordre. Repliez-vous ! Repliez-vous !
Vos yeux s'ouvrent enfin. Mère en sera ravie. Que sont devenues les engeances? Je me souviens de vous, la dame des terres sauvages. Oui, où suis-je? Ah non, mais... Cette trahison de la part de Loghain, c'était abominable, quoi. Duncan qui regarde le fanal en mode... Désolé, c'est l'émotion, c'est ça que... C'est nerveux. Duncan qui regarde le fanal en mode « Mais vous l'avez fait, vous avez allumé, qu'est-ce que vous foutez ?» Et il se rend compte que c'est pas nous, en fait. Le problème, c'était Loghain qui a carrément trahi son roi, quoi. C'est un passage très dur, hein, moi je trouve, personnellement. On va lui dire « Je me souviens de vous, la dame des terres sauvages. » »« Je suis Morrigan, au cas où vous l'auriez oublié. Et nous sommes toujours dans les terres sauvages où je panse vos blessures. » Inutile de me remercier à ce propos. Qu'en est-il de votre mémoire? Vous rappelez-vous comment Mère vous a sauvé? Attends, la mère de Morrigan nous aurait sauvé? Ah la vache, c'est... Déjà, faut déjà y aller pour aller nous chercher dans cette tour de merde, là, donc bon. Je me souviens avoir été submergée par les engeances. Mère a réussi d'extrême justesse à vous tirer du danger, votre ami et vous. Enfin, seul importe que vous ayez tous deux survécu. L'homme censé répondre à votre signal s'est retiré de la bataille. Les engeances ont enlevé la victoire. Quel enfer! Ceux qu'il a abandonnés ont tous été massacrés. Votre ami accueille la nouvelle avec une certaine amertume. Et moi donc, c'est un désastre. Pardon. C'est pas drôle. Mon ami, vous parlez d'Alistair? Le jeune homme suspicieux et faible d'esprit qui vous accompagnait, oui. Il attend dehors près du feu. Mère a demandé à vous voir dès votre réveil. Ben on va déjà la remercier pour son aide, hein. Merci, Morrigan. Je vous en prie. C'est Mère qu'il faut remercier. Je n'ai moi-même aucun talent pour les arts curatifs. Je peux vous poser quelques questions? Faites donc. Prenez votre temps. Sommes-nous en sûreté ici? Où sont les engeances? Nous sommes en sécurité pour l'instant. Les pouvoirs de Mère tiennent les engeances en respect. Oh la Dès vache! Dès que vous serez partis, la suite reste floue. La horde de l'engeance s'est déplacée. Peut-être pourrez-vous l'éviter? La vache, elle tient sa magie tient les engeances en respect. Faut pas demander, hein! Comment juste est-elle parvenue à nous sauver? Peut-être s'est-elle changée en aigle géant et vous a arraché tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre? Ouais, vu comme ça. Si cette fable ne vous abuse pas, je vous suggère d'aller trouver Mère. Peut-être sa version vous conviendra-t-elle. En aigle géant, carrément. Mais après, plus rien ne m'étonne, hein, personnellement, mais bon. Y a-t-il d'autres survivants à part nous? Les rares survivants ont fui, éperdus. La vallée abrite désormais un spectacle des plus sinistres. D'accord. Je vous crois sur parole. C'est vous qui voyez.
Je vous ai assez posé de questions. J'en conviens. Il est temps pour vous de parler à Mère, puis de partir. Eh bien, merci Morrigan de nous avoir... aidés, hein. C'est cool. Bon, évidemment, je peux pas prendre ça, hein. Évidemment, on est inventaire plein, quelle horreur. Bon. Donc, voilà, c'était un spectacle des plus pitoyables, parce que on s'est fait trahi par cet enfoiré de Tierno Loghain, hein. Et donc, du coup, c'est pas la joie, hein, pour le moment. Et Alistair doit être encore plus... encore plus amer parce que Duncan est mort dans l'affaire. Donc tous les gardes des ombres, toute l'armée du roi et le roi lui-même ont été désingués par Paquet de Douce. Donc ouais, non, c'est... Ça n'engage rien de bon pour la suite. Mais on va voir ça une prochaine fois.